promesse du Père. Conformément à Actes chapitre 2. Il est dit ceci dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Il est dit ceci. Alors que Dieu accomplissait sa parole, alors plusieurs ne comprenaient pas cela. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Dieu accomplit sa parole. Mais plusieurs passent à côté de ce que Dieu fait. Mais il y a eu des hommes qui avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais parmi eux, il y avait Pierre. Ils ont à partir du verset 2. Alors il dit ceci. À ceux qui étaient là, oh Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, de beaucoup par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous. Oh, vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins, arrêté selon la pression de Dieu. Oh, yo, akabamaki kolande la mwango, o esiaki ko ekanama kalape kolande la webi ngoso nanza. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est-à-dire des hommes sans loi. Mais Dieu l'a parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alors il a continué à parler. Mais le résultat de sa prédication, nous le trouvons au verset 41. Et après avoir prêché, la Bible dit, Lorsque la parole est prêchée, la personne qui est vous, se suicide de la personne une fois nécessaire pour faire une expérience vraie avec le Seigneur. Quand la personne qui écoute est convaincue, comme Jésus-Christ est mort à la croix, le prix a été payé pour son rachat. Alors, si les propos ceux qui montent à ce sujet, ma carte, ils doivent se faire baptiser dans le nom du Seigneur Jésus. Ah, si c'est la même parole, le même esprit, il faut que ce soit aussi le même résultat. Même ce matin, si je n'avais pas encore fait une expérience avec le Seigneur, en écoutant cette parole, on va sortir d'ici, on va s'engager aussi. Acte chapitre 2, Acte chapitre 3,
Nous prêchons toute la parole, mais nous insistons aussi concernant
le retour de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de promesses. Mais le retour de Jésus-Christ est l'une des promesses principales. Chaque chapitre 7, le verset 7 dit : soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le prochain fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Ici, il nous est parlé du laboureur qui attend. Ce n'est pas comme les jardiniers qui sont à Kinshasa ici. Non, eux, ils ne respectent pas les saisons. Ils servent les fruits à n'importe quelle saison. Et lorsque les fruits vont pousser, vous avez déjà remarqué ça, n'est-ce pas? Quand vous prenez les fruits, ceux qui sont semés à Kinshasa, et les fruits qui viennent vraiment du village, si vous comparez, ce sont les mêmes fruits, mais tantôt les fruits différents. Parce que eux, les villageois, ils respectent même les saisons. Ils ne respectent pas n'importe comment. Le laboureur attend le prochain fruit de la terre. C'est-à-dire le villageois lui quitte le village pour aller faire les champs loin dans la forêt. Après avoir coupé les arbres, il laboure, mais il n'y a pas d'eau là-bas. Comme nos jardiniers ici, ils ont des arrosoirs. Mais là-bas, dans la forêt, il n'y a pas d'eau. Après avoir fait son champ, après avoir labouré, il attend, il rentre au village, il attend les pluies. Lorsque les pluies de la première saison tombent, alors c'est à ce moment-là qu'il peut passer. Et c'est lui. Il rentre chez lui. Il attend les pluies de l'arrière saison. Parce que les deux pluies sont nécessaires. D'abord les premières pluies pour humecter la terre. Et afin que la semence soit semée. Une fois la semence est semée, et la même semence va pousser. Puisse être amené à maturité, mais il faut qu'il y ait la pluie de l'arrière saison. Et c'est mais c'est pas au laboureur de fabriquer la pluie. Ah, si, et j'ai mon nom thermique et l'amboula. Le laboureur attend. Mon nom il vient à cause là. Les gens veulent aller vite en maison. Batman dit qu'on est là. Comme si notre Dieu est incapable. Le lingue est déjà la mise en scène. Notre Dieu est capable. Quand il promet, il réalise. Notre Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Notre Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Même si quelques-uns sont agités, mais nous ne sommes pas agités. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui avait promis la pluie de la récession, il enverra la pluie. Comme cela est écrit dans le livre de Zacharie, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Déjà au commencement, bien aimés frères. Qu'est-ce que nous disons? Vraiment, il est à la porte. Le retour du Seigneur est pour bientôt.
Reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel.
Donc ce n'est pas la vérité. Il reviendra de la même manière. Amen, mes frères. Amen. Il y a un Italien. Il se promène, il a les mains bandées. Quand il enlève les bandes, c'est le son qui couvre, il s'appelle Giorgio. C'est le son qui Giorgio. Et c'est ma qui a dit ma pour montrer qu'il est le Christ. Pour la côté, il s'est dit dans le Christ. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous le son de Jésus-Christ a été versé une fois pour tout. Amen. Ils sont paniqués, ils sont attirés. Nous, l'épouse, nous attendons notre époux. Mais non, il est question de se préparer. La préparation doit se faire dans la paix. Et c'est pour ça, Manakati Nakimia. Amen. Amen. Le Dieu est bon de paix. La préparation doit se faire dans la paix. Pas pour la guerre, non. C'est notre Dieu. Est un Dieu de paix. Nous, ses enfants, nous sommes des enfants de paix. Non seulement que nous sommes des enfants de paix, nous-mêmes nous procurons la paix. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 3, quand il est dit là-bas, croyez que le Père nous a témoigné. Il regardait soi-même. Oui, bien-aimé frère,
encore des tâches, si il y a encore des choses qui ne sont pas correctes, dans ta vie, mon frère, ma soeur, implore la miséricorde de Dieu. Quand on voit il y a encore des tâches derrière, oh Seigneur Dieu, mon nez, si je le fais dans son cœur, c'est ça. Le Seigneur agira. Parce qu'il est question de vous préparer en conséquence. Dans Matthieu chapitre 25, il est parlé de mais toutes les vierges, toutes les dix plutôt, étaient vierges. Mais celles qui étaient sages, et celles folles, mais les folles ont raté. Les folles n'étaient pas prêtes. On s'était devant les folles aussi qu'on laissait. Un certain nombre de choses. Le problème, ce n'est pas de connaître. Le problème, c'est d'être vrai. Parce que la Bible dit, celle qui était prête à entrer, il s'agit d'être prêt. De se préparer à tout moment. Alors nous vivons de manière comme si le Seigneur venait même aujourd'hui. Nous sommes la dernière, la première génération qui reconnaît. Quelle est la dernière? Nous sommes témoins de ce que Dieu fait dans notre temps. Après notre génération, il n'y aura plus une autre génération après nous. C'est dans notre génération qu'il y aura l'enlèvement. C'est dans notre génération qu'il y aura la résurrection des morts en Christ. Un malheur unique
Voici il vient. L'appel vient. Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu.
Quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance.